Salut à tous, c'est Shanna. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour l'ouverture d'un pack d'AP, les cavernes oubliées d'Ixalan. En plus de ça, ce week-end, c'est l'avant-première, donc c'est le moment idéal de l'ouvrir. Allez. Ouverture facile. Toujours. Pour cette boîte avant, l'emballage c'était bien, mais là. Bof quoi. Allez, la boîte en elle-même. Sympa. Le dé, franchement, il pourrait changer de couleur de temps en temps ou les faire transparents. Parce qu'à force, on a l'impression d'avoir toujours les mêmes. Allez, tu dégages. Alors, on met ça de côté. La carte d'AP, on la garde pour la fin. Et on a 6 boosters de draft. C'est les derniers boosters de draft qu'on va ouvrir parce que la prochaine édition, normalement, ils vont faire des boosters de jeu. Mélange entre les boosters d'extension et ça. Alors, est-ce qu'il y a du bon, est-ce qu'il n'y a pas du bon? On va voir. Allez, ouverture. Premier booster. Allez. On est avec les communes. On est passé aux zones quoi ou... Voilà, différence de symbole. C'est pas visible. Hein. Alors, Unko, gnome du marché. Conservatrice de la création du soleil. Un petit wagonnet. La rare cheminée tourmentée. Une foil enjambeur orfuri. C'est une Unko. Et on a la cataracte cachée. Ouais. Intérêt. Alors il fait quoi celui-là? La revanche engagée, ça fait du mana. Bon, c'est les terrains qui s'animent. Ok. Ok. Bon, on met ça de côté. Ma foi, pourquoi pas. Ensuite, booster suivant. On y va. Alors, les communes. Hop, je rapproche un peu comme ça, vous pouvez voir le texte. Alors. Ah. Une qui se tourne. Un équipement. Ma foi. Alors, effondrement désastreux. Oreille du Mycotyran. Gueule effroi, tremble terre. Une mythique! C'est un vampire et un démon. Faudrait choisir des fois. Grave sang. Daclazote. Ça va bien dans un mono noir. Ou un sacrifice, je suppose. Si l'adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd deux fois ce nombre de points de vie. Ah oui, un bon sacrifice avec les serves, avec les. Les artistes de sang et tout ça peut être vraiment sympa. Oui, je vois plus pour du moderne ou pour de l'EDH que pour du standard. Franchement, j'ai laissé tomber un petit peu. Et ensuite, on a la cour cachée. Ma foi. Second booster, une mythique, ça va. Franchement. Alors, troisième booster. On va tomber sur quoi cette fois-ci? Alors, on reprend avec les communes. Alors, c'est brique en terre cuite. Hop, on la retourne. Four. Alors, cache de l'explorateur. Glyphe. Pèlerin. Oh, le calendrier millénaire. Ah! Oh, ça c'est beau, c'est un. Oh, ça va aller très bien dans mon deck. Ah, avec le petit bâton et l'orange moelle. Cadeau, hein. C'est un petit combo, ça marchera très bien. Et ensuite, éclaireuse aquavenante en foil. Oh, elles sont belles ces forêts. Texless. Oh, elles ont un petit charme.
Et un gnome en token, ma foi. Allez, deux mythiques sur trois boosters, ça va? On a vu pire. Booster suivant, on reprend avec les communes. Allez. Une qui se tourne. Alors, aperçu du noyau. Tracer un cap. Très bonne carte. Très bonne réédition. Inspecteur Gambadan. Le rare paladin de la baie de la Reine. Un vampire et un chevalier. Ah, c'est dommage qu'ils soient un peu chers. Au niveau du coût de mana. Ensuite, on a le volcan caché et un super token. Ça, c'est, je sais pas pourquoi il les donne. Allez, cinquième booster. Et après, faut que je pense à ouvrir la carte d'AP. Allez, on y va. On est sur les communes. Oh, un joli un trésor enfoui. Alors, étendard de l'oiseau soleil. C'est sympa. Mais bon, a quand même mieux. Glyphe de combat. Éclipse malicieuse. Justice. Alors, un véhicule. Le belligérant. Ok. Une nécropole cachée et un token dino. L'illustration est pas. Ils auraient pu faire mieux quand même. Allez. Dernier booster. On a quand même deux mythiques, franchement. Une carte qui me faut. Qui est très combo. Moi, franchement, ça fait partie des cartes que je voulais. Donc, je suis contente. Ah, Poids Mort, la jolie réédition. Toujours utile, cette petite commune. Allez. Est-ce qu'on va avoir une petite dinguerie? Alors, peinture murale. Voilà. Introspection. Pisteur d'entrailles des abysses. Un raptor. Nous avons une rare. Ah, ça dans les jeux mono. Il est vraiment pas mal. Oh, ça va bien dans le rat. Allez, une petite forêt. Encore une forêt. On aurait pu avoir une plaine ou un autre terrain. Bon, je prends. Et un token fungus qui est magnifique. Allez, il nous reste encore une chose à ouvrir. Allez, la carte d'AP. Petit calendrier millénaire en feuille. Moi, je voudrais bien une caverne des âmes. Très cool. Ah, on a des tokens. Fatalité. C'est bien, mais c'est pas. Ça se perd facilement, étourdissement et marqueur plus un plus un. Le code d'avant-première, allez, c'est cadeau. Amusez-vous sur Magic Arena. Et maintenant, le Carnosaure barissant. Bon, je suis pas très dino, mais bon. Alors, du coup, on vient d'ouvrir la carte d'AP et on va voir ce qu'on a eu. Cet artefact qui devient un super terrain, le noyau, le belligérant, le paladin, cheminée tourmentée et deux mythiques. Ce démon et le calendrier. Le calendrier, c'est une carte de combo, franchement, c'est horrible. Ça peut vite être ingérable, surtout en EDH. Moi, franchement, je suis pas mécontente de l'avoir. Donc j'espère que vous avez autant de chance, voire plus de chance que moi dans vos ouvertures de booster. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.